Mais c'est quoi ça, Jean-Loup? Ça, c'est une souche de kombucha, Mathilde, ou qu'on appelle aussi mère. Ah d'accord, je pensais que c'était une vieille escalope de veau. Oui, bah écoutez, je ne me risquerai pas à la manger. Vous connaissez peut-être Jean-Loup, puisqu'il est venu il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube pour parler du kéfir de fruits. Et maintenant, nous allons parler du... kombucha. Alors Jean-Loup, pour faire du kombucha, on a besoin de quoi? Tout d'abord, je vais préciser que pendant mes explications, je vais peut-être faire référence au kéfir de fruits pour qu'on puisse comparer et aussi pour certains pièges à éviter. Effectivement, ce serait bien que vous regardiez la vidéo qu'avait faite Mathilde avec votre serviteur, que vous puissiez comprendre un peu de quoi on parle. On vous la met en lien en haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire du kombucha? Il faut de l'eau, du thé, du sucre en poudre, une souche de kombucha et du starter. Je vais vous expliquer après ce que c'est que le starter. Il faut aussi des ustensiles, un bocal, une passoire, un entonnoir. Ok. En plastique Alors, ça peut être en plastique. En fait, le plastique n'est pas bon pour les boissons fermentées quand il s'agit de les laisser longtemps en contact avec le plastique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un bocal en plastique. Mais comme ces ustensiles ne servent que très peu de temps, c'est pas grave. Et puis, une louche, on verra aussi pourquoi après. On peut utiliser du métal? On peut utiliser du métal si c'est de l'inox. Pour le bocal, le mieux c'est le verre, c'est le matériau le plus neutre qui soit, donc c'est ce que je vous préconise. Bon alors maintenant qu'on a tout ça, qu'on a tous nos ingrédients, tous nos ustensiles, comment on s'y prend? Alors déjà, ici vous voyez, il y a une mer, peut-être même une deuxième ici qui est un peu fine, et a priori il y en a d'autres là. Vous voyez, elles s'agglomèrent au fur et à mesure des fermentations. Donc l'idée, c'est de les séparer. Ne vous inquiétez pas si ça se déchire, elles feront quand même leur office sans aucun problème. C'est un peu délicat à faire parce qu'elles collent bien. Ici, j'ai le thé que j'avais déjà préparé pour 1 litre d'eau, 50 g de sucre en poudre. Vous faites bouillir l'eau avec le sucre. Dès que ça commence à bouillir, enfin, vous faites chauffer l'eau. Dès que ça commence à bouillir, vous coupez et vous faites infuser 5 g de thé. Le thé qu'il faut utiliser, c'est du thé noir ou du thé vert, okay. Non aromatisé. On laisse bien infuser? Une vingtaine de minutes, ceci dit, ça m'est arrivé de le laisser plusieurs heures parce que je l'avais oublié. 20 minutes, ça suffit, vous retirez le thé, vous laissez refroidir. On laisse totalement refroidir ou ça peut être tiède? Oh, si c'est légèrement tiède, c'est pas grave. D'accord. Mais voilà, pas trop chaud, c'est pas la peine de risquer de tuer la mère. Je prends la mère, alors elle a été un peu déchirée, mais c'est pas grave, elle va quand même parfaitement bien fonctionner. Je la mets dans le bocal. D'accord. De préférence le côté clair vers le haut. On rajoute le starter, je vous expliquerai après comment on obtient ça. D'accord. Voilà, pour 1 litre de thé, il faut 10 centilitres de starter, hein. 10% en fait. Et on verse le thé. Ça sent le vinaigre, là. C'est le starter qui donne cette odeur, oui. Le starter, comment on l'obtient? Le starter, c'est du kombucha déjà fini. À la fin de la préparation, la première fermentation, vous allez avoir donc le kombucha que vous allez mettre en bouteille et vous en gardez un peu au fond de votre bocal et c'est ce qui va servir de starter. C'est le starter pour la prochaine fermentation. Si on reçoit, par exemple, la souche, et que c'est notre premier kombucha. Alors, en principe, le donneur vous fournit le starter, au moins pour 1 litre, c'est-à-dire vous donne 10 centilitres de starter, avec la mère. Il y en a qui ne le donnent pas. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre pasteurisé, 10 centilitres aussi. Une fois qu'on a versé le starter et le thé dans le bocal avec la mère, vous devez recouvrir le bocal. Contrairement au kéfir de fruits qui peut se faire en aérobie ou en anaérobie, le kombucha se fait uniquement en aérobie. Vous recouvrez le bocal avec un tissu maintenu par un élastique ou avec du papier essuie-tout pour empêcher les petites mouches de venir y goûter. D'accord. Alors, vous parliez d'aérobie et d'anaérobie. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est, Jean-Loup? Anaérobie, c'est quand il n'y a pas d'air. En fait, il y en a dans le bocal, mais il n'y a pas d'échange entre l'air du bocal et l'air extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on utilise dans ce cas-là, en général, des pots
avec un caoutchouc. D'accord. Et fermeture mécanique. Et l'aérobie se fait comme ça il y a des échanges entre l'air du bocal et l'air extérieur. Donc le kombucha, nécessairement comme ça. Nécessairement comme ça. Le kéfir, on peut choisir. On peut choisir, mais si vous faites et du kéfir et du kombucha dans la même pièce, il peut y avoir des échanges de levures et de bactéries de l'un vers l'autre. Si vous faites votre kéfir en aérobie, ça peut tuer soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Wow. Donc moi personnellement, dans ma cuisine, je fais du kombucha comme ceci et du kéfir de fruits dans un bocal fermé hermétiquement. Vous voulez dire que si on met dans une même cuisine un bocal de kombucha en aérobie, donc c'est-à-dire avec un tissu par-dessus, et un bocal de kéfir en aérobie aussi côte à côte, le kéfir et le kombucha vont se tuer mutuellement? Ils ne vont pas, ils peuvent. Ça, c'est pas sûr que ça arrivera, mais c'est un risque. Ok, bah c'est bon à savoir. Hein. Ouais. Bon, revenons à notre kombucha. On a mis notre mère dans le bocal. Voilà. On a mis du thé avec du sucre. Voilà. Du thé noir en l'occurrence. Du thé noir, ou on peut mettre du thé vert. Ou on peut mettre du thé vert. Non aromatisé. Voilà, exactement. Et on a mis du starter, qui est composé d'un ancien kombucha. En fait, c'est un reste de fermentation précédente. Ok, alors maintenant qu'on a tout ça, Jean-Loup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la F1, ou première fermentation. Il faut qu'au bout de 4-5 jours, vous goûtiez votre boisson qui est en train de se préparer. Dès qu'elle devient un peu acide, vous mettez en bouteille, sans la mer bien sûr, et donc là, ça sera la deuxième fermentation qui aura lieu. Si vous attendez trop longtemps, ça va devenir de plus en plus acide et imbuvable. Auquel cas, vous pourrez vous en servir comme vinaigre pour vos salades. Ça a à peu près les mêmes propriétés que le vinaigre de cidre. Pendant la deuxième fermentation, ça va continuer à fermenter même s'il n'y a plus la mer. La pression va devenir très importante. Une bouteille comme ça risque d'exploser. D'accord. Donc, vous prenez une bouteille de type bouteille de limonade ou bouteille de bière à fermeture mécanique. C'est très important. Et vous attendez. Là, vous pouvez boire tout de suite, mais vous pouvez attendre plusieurs mois. Je dirais même, il se bonifie avec le temps. Personnellement, moi, je les laisse 2 mois avant de les consommer. Vous allez voir que la mer qu'on vous aura donnée, là elle flotte, mais elle va finir par tomber au fond, et une mer va se former à la surface qui va aussi finir par tomber. Alors la mer qui se forme, on appelle ça une fille, bien que ça ne soit jamais qu'une autre mer. Elle va tomber au fond et puis s'agglomérer comme on l'a vu tout à l'heure avec la mer. Et si on laisse comme ça, ben, il peut y en avoir plein. Donc comme ça sert à rien, vous les séparez et vous les mettez donc à l'hôtel pour vous préparer à en donner à votre tour, comme on vous a donné la vôtre. Je ne savais pas à l'époque, mais le robinet, il ne sert à rien parce que les filaments risquent de le boucher. Pour mettre votre kombucha, une fois qu'il est terminé, en bouteille, un entonnoir. Okay. Alors, vous ne prenez pas une bouteille comme ça, mais là, je n'ai pas de bouteille à fermeture D'accord. mécanique. Fermeture mécanique, important. Les voilà. Bouteilles à couvercle risquent d'exploser. Exactement. Une passoire pour recueillir les filaments qui risquent de tomber. Je vous coupe. On est d'accord que c'est à l'air libre hein, qu'on laisse tout reposer. Oui, oui, jamais oui, oui. Au frigo. Non, non, à température ambiante. À température ambiante. J'ai oublié de le préciser. Et vous prenez une louche. Et vous remplissez votre bouteille comme ça. Prenez bien soin de laisser un peu de kombucha au fond de votre bocal. En fonction de ce que vous allez faire pour votre prochaine fermentation, il faut laisser 10% à peu près. C'est donc le fameux starter dont on parlait au début. On garde en fait la souche dans le starter. Oui, alors vous avez deux possibilités. Vous allez donc avoir des filles qui vont se former. Soit vous gardez une fille dans votre bocal et la mère vous la mettez à l'hôtel. Soit vous gardez la mère et ce sera les filles que vous mettrez à l'hôtel. Donc je récapitule. On met tous les ingrédients dans un bocal en aérobie, c'est-à-dire qu'on recouvre d'un tissu le bocal. On laisse à température ambiante. On attend 5 jours, on goûte pour savoir si c'est acide. Si c'est acide, on peut filtrer et mettre en bouteille. Voilà. Mécanique. Attention. Fermeture mécanique. Important. Sauf si vous n'aimez pas les boissons pétillantes, auquel cas vous fermez pas du tout la bouteille et vous laissez un tissu pour éviter que les mouches arrivent. Voilà. Ça n'enlève pas les bienfaits de la boisson. Non, 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 non. Non, non, le pétillement, l'effervescence, c'est du gaz carbonique, hein, c'est tout.
Je précise personnellement, pour moi, en hiver, je fais des premières fermentations d'une semaine, 7 jours, et en été, plutôt 6 jours, parce qu'il fait chaud et la fermentation se fait plus rapidement, et sinon, ça devient vraiment trop acide. Justement, quels sont les bienfaits du kombucha? Le kombucha est un très bon antioxydant. Il apporte aussi des probiotiques à vos intestins, et c'est un très bon détoxifiant pour le foie. Vous pouvez aussi en prendre en apéritif, parce que si vous l'avez bien réussi, il a un petit goût de cidre. Le cidre en apéritif, c'est sympa aussi. Rappelons que le kombucha n'est pas un médicament, il ne doit pas être bu dans un contexte médical. Surtout, si vous avez le moindre doute, vous faites appel à votre médecin. Si vous le souhaitez, vous pouvez aromatiser votre kombucha en F2, en deuxième fermentation, c'est-à-dire dans les bouteilles, en rajoutant de la mangue, du basilic, de l'ananas, de la pomme, de la cardamome, de la cannelle, tout ce que vous voulez. Attention, mon kombucha est très gazeux dans les bouteilles. Si vous rajoutez des choses sucrées, ça risque d'être encore pire. Moi, pour pouvoir ouvrir la bouteille sans trop de problèmes, et je dis bien sans trop de problèmes, je mets ma bouteille plusieurs heures au frigo avant de l'ouvrir. Pour vous procurer des souches de kombucha, vous avez principalement trois possibilités. Soit vous connaissez quelqu'un qui en a, vous lui en demandez. Sinon, vous pouvez faire une recherche sur le site 3kjoun.com. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur des groupes Facebook comme FIR et Kombucha Partage et Info. Bon bah Jean-Loup, on va déguster cette boisson. Ah bah oui, je suis quand même là un petit peu pour ça aussi. Et je suis curieuse parce que moi j'ai jamais goûté de kombucha. Eh bien ça va être une bonne occasion. Ça c'est du kombucha que vous aviez préparé à l'avance, voilà, pour nous montrer. Oui, il n'est pas dans une bouteille, mais donc il ne sera pas très pétillant, mais le goût devrait y être. Pour être sûr, je prends l'entonnoir pour ne pas mettre à côté. D'accord. J'en mets pas beaucoup parce que si vous n'aimez pas, c'est pas la peine, mais vous pourrez en reprendre si vous aimez. C'est déjà beaucoup là. Oui, Non, mais je vais aimer, c'est sûr. Santé. Santé. Ting. Santé. C'est bon. C'est pas mauvais. Il n'est pas très pétillant parce qu'il n'est pas dans une bouteille et il a été ouvert pendant une bonne partie de la démonstration. Oui. Mais oui, il n'est pas mauvais, je ne suis pas mécontent. Oui, comme vous dites, ça ressemble un peu à du cidre. Hein. Oui. Merci beaucoup Jean-Loup pour la démonstration. C'est un plaisir Mathilde. Pour le kombucha. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Ah bah oui, avec plaisir. Si vous avez des questions sur le kombucha ou même sur d'autres boissons fermentées, vous pouvez les poser à Jean-Loup qui gère les deux groupes Facebook dont on a parlé tout à l'heure. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook avec ma page Les bons plans de Mathilde, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le. Vous serez comme ça au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Sur ce, on vous laisse. On va aller se faire un petit apéro avec du kombucha. Au kombucha, oui. Très bien. Et je crois que vous aviez quelque chose à dire, Jean-Loup. Oui, n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Avec l'aide des industries, bien sûr. Salut. Bye.